accessible. Nous vous conseillons de vous astroporter en zone sûre immédiatement. Doliman 2 est une zone d'exclusion biologique. Les seules choses présentes ici sont des orimorphes et des soldats de l'UC qui les surveillent. C'est pourquoi nous vous conseillons de partir tant que vous le pouvez encore. Contente de vous revoir en un seul morceau. On peut encore s'en servir. Thank you.
vous ralentit sérieusement. Thank you.
Laissez tomber ces trucs inutiles. Je dois vous parler de quelque chose. Depuis que nous avons parlé de la bataille de Cassiopée, j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Depuis que nous avons parlé de la bataille de Cassiopée, j'arrive pas à me sortir ça de la tête. C'était si évident que ça. Je pensais pouvoir gérer ces souvenirs, mais je crois que je ne pourrai jamais être en paix tant que je ne retournerai pas à Cassiopée. La dernière fois que j'ai vu mon équipage, leur navette d'évacuation plongeait vers la surface de la planète. Je dois trouver l'épave. Pour m'assurer d'honorer leur mémoire. Ça me ferait plaisir. En fait, j'en aurais même besoin. Mais il y a un problème. Ça va être très compliqué de trouver l'emplacement du crash. Je crois qu'on peut commencer par localiser mon vieux campement sur Cassiopée 1. Peu après mon évacuation, j'ai vu le vaisseau se désagréger. Lucé l'a répertorié comme perdu. Donc je suppose qu'il a été complètement détruit. La section d'amarrage du vaisseau avait essuyé de nombreux tirs pendant la bataille.
On avait 3 navettes. Une a été détruite et les 2 autres étaient endommagées. Il n'y avait pas d'autre moyen de quitter le vaisseau. Il n'y a rien à dire. J'ai survécu, ce qui n'est pas le cas de mon équipage. Mais j'oublierai jamais ce moment où mes doigts ont effleuré le bouton de largage. Est-ce que j'allais survivre ou exploser en une boule de feu? Apparemment, ma navette avait juste assez de puissance pour effectuer un atterrissage d'urgence sur la surface de la planète. Je qualifierais pas ma manœuvre d'atterrissage en douceur, mais merci quand même. Il devrait y avoir les données de traçage télémétrique de la première navette à bord de la mienne. Ça devrait nous donner une idée de d'où elle s'est crachée. Enfin, si des pilleurs n'ont pas déjà complètement dépouillé ma navette. Elle possède une atmosphère respirable, une faune indigène et peut-être quelques avant-postes miniers abandonnés. Elle n'est pas peuplée. Vous en faites pas, je vais pas craquer. C'est nos conversations, elles ont fait remonter ces vieux souvenirs et ils pèsent lourd. C'est ce que j'espérais, mais je connais pas l'emplacement exact de mon campement. Pour ça, nous allons devoir aller au Thames pour essayer d'obtenir cette information auprès de mon vieil ami, l'amiral Logan. Votre instinct ne vous trompe pas. Logan et moi, on s'est échauffé plus d'une fois quand j'étais avec le corps des navigateurs. On ne s'est jamais rencontrés physiquement. J'espère que je ne vous en demande pas trop. La dernière chose que je souhaite, c'est vous traîner dans une sorte de croisade personnelle. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. En vérité, je suis morte de trouille. Je sais pas si je vais réussir à gérer ce qui m'attend sur Cassiopée. Si je commence à craquer, j'aurai besoin de quelqu'un de confiance pour me soutenir. À part de mauvais souvenirs, je sais pas. J'essaie de pas trop y penser. Pas tout de suite. Ah oui, vous ne m'avez pas vue quand je suis toute seule. Blague à part, vous avez toujours été là quand j'avais besoin de votre aide. Je comprendrai jamais pourquoi vous me soutenez toujours. Je sais pas quoi dire. Oh, j'ai tant cherché des réponses dans les étoiles que j'en ai oublié de voir ce qu'il y avait sous mon nez tout ce temps. Le grand amour. Je pense sérieusement à vous en faire part depuis longtemps, mais je suis pas prête. Pas encore. En voyageant avec vous, j'ai découvert que les amitiés fluctuent suivant les circonstances. J'ai travaillé avec Aja lors de longs trajets spatiaux et nous sommes devenus amis. Quand elle a quitté Constellation, cette amitié a pris fin. Mais je suis certaine qu'à ce stade, même si une grande distance nous séparait, nous ne perdrions pas le contact. C'est vrai, je le reconnais. Enfin bref, je vous ai fait perdre assez de temps et vous avez beaucoup à faire. J'apprécie vraiment votre proposition de visiter Cassiopée. J'espère pouvoir tourner cette page qui me hante depuis trop longtemps.
encore une usine d'hélium 3 déserte. Elle a dû être abandonnée quand les ressources se sont épuisées. Hey, comment ça va? Hey, bienvenue! Thank you.
crois que vous devriez vous débarrasser d'un peu d'équipement. Comment ça va ? Bienvenue dans l'espace de l'UC. Personne ne viendra jamais aider. Mais vous voilà. On effectuait des scans de routine quand une meute de créatures locales a décidé qu'on ferait un bon repas. Dans la confusion, un membre de l'équipe est resté derrière. On est très inquiet à son sujet. Elle a dû se blesser dans le chaos général. Il faut que vous la rameniez. Vous ferez ça pour nous ? Je le savais, je vous sentais bien. Merci beaucoup. Bon, je m'y remets. Ma famille est venue ici quand j'étais enfant. Je détestais cet endroit. Maintenant, j'ai pensé à elle.
jeter un œil à la nourriture? La route est longue pour arriver ici. Vous devez avoir faim. Vous n'irez pas loin sans flingue là-dehors. Si vous avez des crédits... Bonne chance à vous. Un plaisir de vous rencontrer. Parfois, je me demande à quoi ressemblerait ma vie si j'avais jamais quitté New Atlantis. Les gens comme vous ne vont pas aussi loin d'habitude. Quand vous voudrez partir. Allez, bonne neuf. Peut-être aller voir Matteo ou Noël pendant qu'on est là. Je suis à votre service, capitaine. Regardez tout ce chemin parcouru. Ça devient presque trop. Les Astriens, les visions de l'artefact, la musique... Est-ce que tout ça en vaut la peine? Matteo, tu vas nous faire une crise de foi? Toi? Et si les Astriens avaient raison? Et si... Si la quête des artefacts n'était qu'une chimère qui nous conduit tout droit à la ruine? Vous pensez que nous sommes du mauvais côté? Tout ce que nous voulons, ce sont des réponses. N'est-ce pas pour ça que nous sommes là? Pour la noble quête de la découverte?
Exactement. Quand l'univers dresse un obstacle sur notre chemin, on ne peut pas s'enfuir. On doit se battre. Désolé, je voulais pas paraître méprisant. Mettez ça sur le compte d'un esprit rongé par les soucis. J'espère simplement que cette aventure ne nous transformera pas en quelque chose que nous regretterons ensuite. Désolé de vous interrompre, mais j'ai un service à vous demander. Plusieurs pièces de l'Iris arrivent en fin de vie. Si nous voulons trouver d'autres artefacts de plus loin dans la galaxie, il y a du travail. Sarah et Walter m'ont donné leur permission pour le matériel. Mais j'ai besoin de bras. Hé, minute papillon. J'ai l'impression que la personne qui vous accompagne attend déjà quelque chose de vous. Faites-moi signe quand ce sera bon.